Salut les potes, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on est sur FIFA. Voilà. En fait, le but de cette vidéo, c'est que je vais vous présenter mon mode carrière. J'ai passé beaucoup de temps sur ce mode carrière avec l'Olympique de Marseille, notamment. Alors, pourquoi je te présente mon mode carrière? Tu dis c'est un mode carrière comme les autres, mais non! C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en présence d'une équipe de l'Olympique de Marseille qui n'existera jamais. Je te dis d'avance, oublie. Je vais te dire un nom, tu vas dire c'est mort. Le mec à lui tout seul, il vaut le prix de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et vu comment on joue en ce moment, oh, laisse tomber. Il le vaut au moins deux fois. Commence Lopez tranquille, je l'ai acheté à Lyon, je sais plus pour combien, peut-être pour 25 millions. Il avait 81 quand je l'ai acheté, il a 88. Donc les gars, si vous commencez un mode carrière sur FIFA 16, je vous dis... Lopez, c'est l'un des meilleurs gardiens que vous pouvez avoir. Et le mec, il a une marge d'amélioration qui est énorme. Bon, j'avoue, il a 30 ans, mais 88 pour un gardien, c'est franchement énorme. Et Neuer, dès le début, il coûte trop cher, quoi. Alors que lui, vous le payez pas cher, il s'améliore super vite. Ensuite, Varane, il me semble qu'il avait 85 ou 86, il a 88. Nkoulou, c'est l'un des seuls que j'ai gardé de l'ancien OM. Alaba, alors lui, on ne le présente plus, hein, il est trop fort. Bellerin, comme tu veux, tu sais quoi, je sais même pas qui c'est, mec. En vrai, j'ai vu 84, j'ai dit c'est bon, toi t'es nickel, j'ai vu 84, 24 ans, tu remplis tous les critères d'évaluation, viens dans mon équipe. Et en plus, il m'a coûté que 25 millions d'euros, donc c'est bon. Ajovic, c'est un peu le nouveau Rakitic. Ouais, ouais, et ça se finit en Vic, tu vois, donc... C'est parfait, on va dire que c'est à peu près la même personne, ils ont la même coupe de cheveux. Tu l'as acheté pour environ peut-être 60, 70 millions d'euros. Le petit Pogba qu'on ne présente plus, 91. Rodriguez, 93. Griezmann, 90. Isgrove que j'ai acheté en Angleterre. Le monsieur, sans lui, la salade n'aurait pas de goût, tu vois, c'est un peu la vinaigrette là-dedans. C'est Neymar, Gomez 85, Tello 82, Vidal 82, Sparania 81, blablabla, Potter, Porter, Harry Potter, ce que tu veux, Diallo, Nkoudou, et eux, c'est des mecs j'ai acheté pour éviter qu'on soit forfait en cas de manque de joueurs, voilà. Vous avez vu, on joue contre Lens, vous savez déjà que ça va pas être un gros match. Le souci, c'est que moi, je joue en pro, je joue pas une grosse difficulté. J'aime pas me tuer, je suis en mode carrière, c'est pour me détendre. Déjà, je rage assez quand je vais en fut. C'est bon, je vais en mode carrière, laisse-moi gagner 6-0. Laisse-moi m'imaginer, tu vois. Bon, le petit défi dans cette vidéo, les gars, on va dire, allez, on essaye de les battre 5-0. Voilà, c'est un bon score. Faut pas que je me prenne de but. Si je me prends un but, le défi est perdu. Ouais, j'aurais dû changer la difficulté. Je vous jure. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Bon, au début, je me suis dit, je vais mettre en pro, je vais gagner. Après... Après mûre réflexion, j'ai vu que c'était pas si facile. Regarde, lui c'est le futur Rakitic. Je t'ai dit, futur Rakitic, petite coupe de cheveux, pas très grand. Allez Pogba, Pogboom. Enroule. Après le mode carrière sur FIFA, il suffit d'y jouer et de passer son temps dessus. C'est facile de monter une grosse équipe. Après moi j'ai surtout cherché les meilleurs jeunes, les mieux notés. Neymar, je pense que c'est le meilleur jeune du jeu. En vrai, il a 24 ans ou je sais pas quel âge le mec et il est trop fort. Dit-il en marquant un but absolument parfait au niveau de la construction. Non, je rigole, il était pourri. Non, mais après, on va augmenter la difficulté. Parce que là, vous dites, ah, c'est pas drôle. Le défi, il le remporte facilement. 5-0. Bon, c'est pas fini. Putain, le défi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième match. C'est contre Bastia, le prochain match. Je te jure. Non, tu sais quoi, on va simuler. Même simuler à la base, c'est pas un bon truc. Parce que tout le temps, t'as un joueur qui se blesse. T'en as un, il est pas content, il se prend un carton rouge. Voilà. Tu vois. Prédiction. Coïncidence. Je ne sais pas. Je vous le montre en face de vous. Je mets 5 minutes. Et je mets en... Allez, en champion. Grosse ambiance, beau temps. Ça se joue dans la journée, un dimanche à 2h. J'allais frapper. Il a senti, j'allais frapper. Je vous le dis, ce match va être tendu. Je vais devoir être concentré parce que champion, c'est chaud. Oh, c'est beau. Griezmann, c'est pas un attaquant comme Suarez, tu vois. C'est le pire renard des surfaces. Suarez, quand il est dans la surface, il te transforme tout. Le mec, n'importe quelle position, il est trop fort. Après, Griezmann, c'est un très bon attaquant, mais c'est pas le même style de jeu, tu vois. Et planta. Je suis content, je vous jure, d'habitude, j'ai pas cette réaction en carrière, mais là, je suis content parce que c'est chaud. Kevin Malcuit. Kevin Malcuit. Il est bizarre, lui. Allez,
Je sais pas, je connais pas le. Je parle trop. C'est sûr, je vais remettre pro. Là, je suis en train de surchauffer déjà. Ce moment où tu remercies, je sais pas qui, tu remercies. Tu dis merci, merci mon pote. Franchement, t'es un ami. Je t'aime beaucoup. Mais oui! Trop d'agressivité, Sylvestri! Inutile, genre. Oh, en vrai, elle était loin. Mais. Je sais pas. En vrai, je sais pas. À Marseille, y'a beaucoup de mouettes. T'es d'accord avec moi? T'as vu des mouettes? Une mouette qui passe, tu sais pas. Y'a pas Drake qui dit que si c'est une mouette qui marque, y'a pas but. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Je trouve ça joue un peu trop bien, cette chaîne là. Moi aussi, j'ai eu de la peine. Sur le coup, je voulais crier y'a faute. Mais j'ai oublié que j'étais avec l'OM. Arrête. Faute! Je sais pas siffler. C'est terminé sur ce score de 1 partout. La déception. Bon les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'était une petite vidéo pour vous présenter mon mode carrière. Comme je vous ai montré, j'ai vraiment une grosse équipe, mais j'ai vraiment beaucoup joué au mode carrière. Je crois que mon plus petit joueur, titulaire, il a 84, c'est Bellerin, je vous l'ai dit. D'ailleurs, Bellerin, on dirait pas un nom de brioche, je vous jure. Laisse tomber. N'hésite pas à partager, à t'abonner et surtout, laisse un like aussi, ça fait super plaisir. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao la famille.